20 matchs, 20 victoires. Ce dimanche, les Bellevilloises ont obtenu leur 20e succès lors du derby face au Smash. Une victoire 68-57, sans forcer, au terme d'une rencontre sans grand enjeu. Notre saison, elle est bouclée pour la phase régulière. Donc bon, c'est vrai que ça, au niveau de la motivation, c'est pas le top. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, fallait gagner, donc ça c'était le principal. On n'a pas de blessés, ça c'est important aussi, donc bon, c'est plutôt positif quand même. Depuis plusieurs journées, la première place est assurée pour Belleville qui se prépare désormais pour les play-offs. L'objectif est clair, la montée en N2. Ne pas y accéder serait un gros échec. Le club a misé cette année sur des joueuses de qualité en mêlant jeunesse et expérience. Les dirigeants, ils ont fait ce qu'il fallait pour construire une belle équipe, donc... Bon, on savait qu'on avait de bonnes chances de faire une saison comme ça. Voilà. Après, on n'a pas perdu, donc ça, c'est vrai que dans une saison, c'est assez exceptionnel, même s'il reste deux matchs. Mais voilà, la place où on est à l'heure actuelle, elle est juste logique, en fait, hein, par rapport à l'équipe qu'on a. Une autre place, ça serait pas bon, quoi. Déjà, à tous les postes, c'est hyper complet. Donc, en fait, on a eu quand même pas mal de blessés. Et ça se ressent pas du tout, parce que du coup, dans le jeu, on est interchangeable. Donc, c'est ça qui est cool. Il y a aussi une bonne ambiance. Donc, ça aide aussi vachement dans le jeu et puis en dehors, bien évidemment. Les forces de Belleville, c'est le cumul d'individualité. Enfin, moi, à mon avis, elles ont quand même beaucoup d'individualité qui fait que quand elles arrivent à jouer ensemble, on a une équipe au-dessus les autres équipes du championnat. Avant une éventuelle montée en N2, les Bellevilloises vont tenter de terminer la saison régulière invaincue. Il faudra pour cela remporter les deux derniers matchs. Place ensuite aux choses sérieuses avec les play-offs qui débuteront le 24 avril.